Saint-Paul Mickey et compagnons. Les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Mes frères et mes sœurs, la page de l'Évangile nous enseigne un peu plus sur la vie d'une personne engagée, d'un missionnaire de la parole. Il arrive qu'il n'ait même pas le temps pour lui-même, puisque le devoir l'appelle. Mais au bout de la journée bien remplie, on a la joie d'un travail bien accompli, et alors, on oublie toute la fatigue à la manière d'une femme qui vient d'accoucher. Cependant, il arrive aussi que nous oublions ce que Jésus conseille, se retirer seul avec le Père dans la prière. La journée doit partir de la prière et elle devrait aboutir encore à la prière. Je voudrais me reconnecter avec mon Dieu le matin au réveil et revenir à lui la nuit, puisqu'il m'a accompagné et gardé durant toute la journée. Seigneur, merci de cheminer avec nous. Amen.